Votre histoire, Jean-Pierre, elle est inspirante parce que vous avez eu ce qu'on peut appeler un destin. Est-ce ce destin, est-ce cela qui vous a partagé, qui vous a poussé, je veux dire, à partager ce parcours un peu exceptionnel que vous avez eu? D'abord, je veux dire que, étant né à Oran, je me sens Oran, de l'Algérie. En Algérie. Je me sens d'Algérie, du Maghreb et de l'Afrique. Je suis aussi un Africain. Et je m'en suis rendu compte quelquefois quand je suis en Afrique, et en particulier en Afrique du Sud. Je vais adresser un message aux jeunes. À Oran, rien n'indiquait que je serais un jour journaliste. C'était mon rêve, c'était mon ambition. Mais qui allait m'ouvrir les portes pour ce métier? Et en plus, rien n'indiquait que je deviendrais le journaliste que je suis devenu. Donc c'est un mélange de chance, de travail, de ténacité, de curiosité et j'ai envie de dire aussi de travail, oui, de travail. De travail surtout parce que... On sent peut-être un peu de culot aussi. Ouais. Et j'ai comme ça avancé, progressé et avec des hasards et des rencontres.